Bonjour à tous, bienvenue sur Mac Forever. Alors aujourd'hui, Laura, on a reçu le tout nouveau MacBook Pro Retina 13 pouces avec un trackpad révolutionnaire. Alors effectivement, c'est un trackpad haptique dans lequel les parties mécaniques ont été enlevées et qui détecte la pression. Alors Laura, c'est vrai que quand on a allumé la machine, on s'est vraiment pris au jeu parce qu'on sent vraiment bien la pression s'exercer. Et puis en plus, il y a le son, donc à première vue, il n'y a pas tellement de différence avec un trackpad classique. Mais c'est du mytho. Alors pour vraiment se rendre compte de la feinte, il faut éteindre la machine. Et puis là, on découvre que vraiment, quand on appuie, il n'y a pas de mouvement mécanique. Par contre, la surface est un peu malléable. Du coup, quand on s'approche, on se rend compte qu'elle s'affaisse un petit peu. Alors la gestion du trackpad est faite assez bas niveau. C'est-à-dire que dès qu'on allume l'ordinateur, le trackpad est tout de suite actif. À la sortie de veille, c'est pareil. Du coup, il n'y a pas à s'inquiéter de macOS 10 qui pourrait vous planter votre trackpad, par exemple. Comme avec l'option toucher pour cliquer, on pourra appuyer n'importe où sur le trackpad. Sauf que cette fois-ci, on pourra régler le niveau de pression nécessaire pour que le clic soit pris en compte. Ce qui évite les clics non désirés, comme avec toucher pour cliquer. Alors il y a une nouvelle option qui s'appelle le clic forcé, c'est-à-dire qu'une fois que vous avez cliqué une première fois, vous maintenez le doigt et vous cliquez une deuxième fois. Et alors là, il y a des options qui vont apparaître. Alors ça dépendra évidemment où vous êtes. Si vous êtes dans le Finder, par exemple, ça déclenchera coup d'œil. Si vous êtes dans Safari, ça déclenchera une prévisu en fait de l'URL dans laquelle vous voulez cliquer. Voilà, Apple en a mis un petit peu partout dans macOS 10. Pas à beaucoup d'endroits, c'est encore assez discret pour l'instant. Alors grâce à ces niveaux de pression, il y a de nouvelles fonctionnalités qui ont pu être développées, comme par exemple dans QuickTime, où si vous appuyez sur le bouton avance rapide, plus ou moins fort, la vidéo avancera plus ou moins rapidement. Du coup, avec ces niveaux de pression, on peut par exemple signer un document du bout des doigts ou faire des petits dessins. Alors c'est pas super précis, mais on peut imaginer qu'avec un stylet adapté, on pourrait faire des choses plus abouties. Évidemment, tous les éditeurs peuvent intégrer ces fonctionnalités dans leur programme, mais il faudra quand même un certain temps avant que ça se fasse, d'autant que on est encore tous avec une petite souris traditionnelle, Apple n'a pas encore équipé toutes ses machines, et il faudra sûrement attendre plusieurs années avant que ça se généralise vraiment. Alors Laurent, on n'a pas les machines depuis très longtemps, malgré ça, au bout de quelques heures, on voit quand même qu'il y a une petite astuce qu'on clique sur rien. Ouais, c'est un peu comme quand on écrit avec le clavier virtuel de l'iPad, au bout d'un moment, on a un peu mal aux doigts. Mais peut-être qu'avec l'habitude, ça ira mieux. On verra, ouais. Alors on a quand même un petit regret, c'est qu'on peut pas supprimer complètement le son s'il y a quelqu'un qui dort à côté. Par contre, il y a une petite astuce, c'est que si vous réglez la pression du clic sur légère, le son sera beaucoup plus faible. Et puis sinon, il y a toujours toucher pour cliquer. Alors ce nouveau trackpad, il est disponible donc sur le MacBook Pro Retina 13 pouces, il n'y est pas sur le 15, il y est sur le nouveau MacBook, il n'y est pas sur le MacBook Air, donc c'est un petit peu dommage qu'Apple ne le mette pas sur toute sa gamme directement pour que tout le monde l'adopte. On espère quand même que ça arrivera sur toutes les machines qui ont un trackpad d'ici la fin de l'année, d'ici l'année prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis, n'oubliez pas de mettre des petits likes sous la vidéo, et pour vous abonner, cliquez sur le poney. Ou sur le Forbi. Ou sur le poney.